OK, alors aujourd'hui, nous allons vous parler des pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Donc, on débute tout de suite en écoutant Dr. Surtam, qui a travaillé au nouveau programme cadre de mathématiques. Donc, on est bien heureux d'avoir Dr. Christine avec nous. Donc, Dr. Christine va faire sa présentation en anglais, mais elle comprend le français. Alors, vous pouvez écrire certaines questions dans le clavardage. So, your turn, Christine. Merci. Merci, Liz. Je vais parler en anglais, as Liz mentioned to you. So we're going to highlight a couple of the high impact instructional practices that are discussed in this document. First of all, I wanted to say a few things about this document. One thing is that this is a document that you can find on the curriculum website. And one thing that we find is that this document is extremely useful, particularly to principals. You are very busy people. It's hard to spend quite a bit of time reading. And this is the kind of document where you could just turn very quickly to one particular pedagogical practice and read some information that might be helpful to you, either to share with your staff or helpful to you to think about these kinds of practices as you are moving in and out of your teachers' classrooms. So if we go to the next slide, Liz. This is just an overview. This is just a snapshot of the table of contents. And the table of contents, as you can see, there are many different instructional practices. And I suspect that you might recognize some of these. Although this is a document that comes with the new curriculum, it actually is in a sense, a really handy place to find not only high impact practices, but research-based practices. And many of these practices are things that we've been talking about for quite some time. On the next slide, you'll see that we've highlighted two, if you could highlight the other one as well, Liz, two of the practices, and we can't possibly talk about all of the practices today, but we're going to highlight two particular practices to go in depth, well, briefly in depth, I guess I would say, about those practices. And also we'll have a chance for us to have some discussion about, so what do those look like in your school? What are ways that we can support those kinds of practices with teachers? So, the first practice is the one that I'm going to talk about, and it's about using problem-solving tasks and experiences. And problem-solving tasks, the document tells us, so many of these things that are up here on the slide are coming right from the document. So I think that's, you know, that's kind of a good thing because they're the same kinds of things that I actually would say from the kind of research that I've done. They really provide opportunities for the students to engage in mathematical processes such as communicating, representing, making connections, reasoning and justifying their thinking. They also provide multiple entry points. And in that sense, We often talk about the idea of them having a low floor and a high ceiling. So in other words, there are entry points for all students to come into these tasks. There are different ways that they can approach them, but at the same time, they're challenging tasks so that they provide that high ceiling for all students to be able to engage and to kind of build on their own experiences and understanding and expand them. Teachers can use these to introduce concepts. They can use them to help students construct their understanding of concepts. They can be used to consolidate learning and to be able to compare, for students to be able to compare different kinds of strategies and approaches as they engage in these kinds of problems. These problems are really meant to be the kinds of things that students themselves engage in, not the kind that the teacher solves for them on the board. It really is a matter of allowing students time and space to be able to engage in these particular tasks. So if we go to the next slide, we're actually going to consider a particular task. And so I'm going to give you a few minutes, but let me explain the task. I'm sure you can read it as well.
And this is a task. What I'd like you to think about is I want you to think about how might a student who's in primary, so, or even beyond, so anywhere from grade one to grade four or five, how might they approach this problem? What kinds of things might they do? What kinds of solutions might they come up with? So there are 36 children on the bus, and the children come from two different classes. I think that's not too clear. They come from Madame Adam and Monsieur Bagie. They come from those two classes. And what we do know is that there are 8 more children from Monsieur Bagie's class than there are from Madame Adam's. So what we need to think about, or what we need to think about, how would we go about solving it? How many students then are coming from the class of Monsieur Bagie? And how many students are coming from the class of Madame Adam? So I'm going to give you a couple of minutes. You might not have time to even solve the problem, but take a couple of minutes. If I could see you all, I'd see you with paper and pencil perhaps, or maybe you've got manipulatives on your desk. Think about how might a student in an early grade approach this problem, and what might be some ways to solve it. And then we're going to look at just a couple of student solutions. So I'm giving you about 3 minutes, let's say, to start to engage in this problem. Kristen, we could ask people to open their cameras, then you could see how scared they are of your problem. No, they're not scared. I'm just asking them to engage in it. You don't need to worry about solving it. I want you to think about what are different ways students might engage. What might they do? I mean, you know, they're going to draw a picture of a school bus. You could do that part. And we're not going to ask for your answers. It's a test. C'est un test, mesdames et messieurs. They're thinking. By the way, this is one strategy I often would encourage you to use. If you're going to visit a teacher's classroom and the teacher's going to be working on some problem solving, I would actually encourage you to ask for the problem ahead of time so that you could engage in the problem before you go to the class, because I actually find it helps you connect to the student solutions and what the teacher's doing with the task. If you've actually engaged in it yourself, you start to recognize what are some of the issues that the teacher's talking about. I know I've given that advice to superintendents, in fact, when they've said sometimes they go into a classroom and it's hard to understand what all the students are doing when they have different strategies. Well, a good idea is to try it yourself, and then you might have some ideas. So let's look at a couple of student solutions, and we'll just look at them briefly. So Lise, if you could go to the next slide. Thank you. So first of all, if I look at the upper right, you see that we might have used manipulatives to work through this. In this case, on the upper right, I don't have a solution to go with this. I just have an image. You might have used two color counters because it would be easy to have red represent Monsieur Bagie and the yellow to represent Madame Adam. And they could easily flip them over back and forth. If we look at the solution, the written solution that's on the right-hand side, I actually asked the student to do some explaining of this to me. Because if you notice, they first started at the top and they said, well, 18 would be half. So I believe what they're thinking about is that, well, 18 would be half of the 36. Now you notice it feels as though they instantly jump to the answers of 22 and 14. But if you look in between Monsieur Bagie and Madame Adam, they seem to be subtracting 4 and adding 4. And so I said to the student, where did the 4 come from? And they said to me, well, I took the 8 and I divided by 2.
And I said, well, what made you think of dividing by two? And the student said, well, I couldn't just add eight and add eight to one side and take away eight from the other, because then I'd really be adding 16. So I knew I would have to make the eight smaller. So I tried dividing by two. So very interesting thinking about that. If you look over on the left on the upper side, we see that, of course, see, I told you, they always draw school buses with 36 children on them. And then they actually had a misunderstanding here. They thought that the extra eight was added to the 36. So they actually thought that there were 44 students. So you can see that they were, again, working with the 18, and then they actually added eight to the 18 to the other side. So it was a bit of a misunderstanding, but we can kind of see their approach. And the one on the bottom left, we see that on the right-hand side of that, they actually then were kind of, they almost were designating seats on the bus, weren't they? So they had the extra seats, the extra eight children over on the right-hand side. And then they were trying to kind of match up the others that were left and make sure that it added up to 36. So those are just three different kinds of approaches to that. And perhaps your solutions might have used some of those same ideas, or you might have used different ideas. But the idea is it's a task. It looks very simple, but actually there are many different ways that you could approach this task and come up with those different sorts of ideas. So if we go to the next slide, Lise. This is really thinking about what it means to facilitate problem solving, because for many teachers, this is not that easy to do. When we had the kinds of math classes that I know I attended as a student, and perhaps some of you did, it often would begin with taking up the homework, showing children new examples, and then practicing, kind of what I would call traditional three-part lesson. And that was kind of easy to tell a teacher what that should look like. Facilitating problem solving is not that easy to prescribe or to define to teachers. You don't know, just as I showed you those three solutions, and that's only three, you might have a class of 23. You don't know what kinds of mathematical ideas might come out when you give them a task. And so sometimes a teacher's a little bit reluctant because it can be challenging as these new ideas emerge and, you know, questions kind of surface. So sometimes they're a bit nervous because they don't know where it will go. And they may be unfamiliar with how to go about doing this. They also sometimes have difficulty with, when all of these ideas come up, what do I do to put things together, to consolidate the learning without just deciding, okay, I'm going to tell you what you should know about this. Because if in the end, we're just going to tell them what they should know, they would think, well, why did I bother? So we need to think about other ways that they can do this. So if we go to the next slide, again, I'm leaning on some ideas from the document. And first of all, a reminder that these problem solving tasks provide an actual space to have a focused discussion on the mathematical ideas that actually come out of this task. So at the end of a task, to be able to do that. And a teacher is able to bring forward specific strategies. So this quote actually talks about educators anticipating what might emerge. So just as I had you do the task, you were anticipating what students might do. It's a very important step for teachers to take. It's not a matter of, okay, I'll just find a great task, here you go, let's see what happens. No, let's work through the task. Maybe I have a group of grade 2 and 3 teachers, we'll work through the task together. What kinds of ways do we think the students might solve it? And to do that anticipating as a way to prepare yourself to bring the task into class. And then to think about, okay, when students have done the work, how do I get them to share in a very purposeful way? And this quote talks about the idea of selecting those who are going to actually share their thinking so that the teacher can make appropriate connections. And one resource on the next slide demonstrates a book that I often lean on
in, I don't think it's been translated to French yet, but it's a book that I've often used with teachers because it helps with that difficult task of, so what does problem solving look like? And it talks about actually the same kinds of actions that were referred to in this document about high impact practices. It talks about that whole idea of anticipating what students might do with that task, which is not only sometimes what they're going to, how they'll solve it, sometimes the anticipating is anticipating particular misconceptions or issues they might have. And the idea of monitoring. So in other words, not just walking around to see what they're doing, they encourage you teachers to write up, excuse me, a monitoring sheet with possible approaches that students might make. Maybe they'll be using for a particular task, proportional reasoning or algebraic thinking, or maybe they'll be using trial and error. And then the teacher on this monitoring sheet can jot down which students are using which ideas. And in what ways are they using it? Are they using it with diagrams? Are they using it with manipulatives? And then the teacher uses that information to decide which students are going to share their thinking and in what order. Not necessarily in a hierarchy, but generally the teachers are encouraged to choose solutions that might represent the thinking of the other students in the class. So in other words, oh, that's kind of how I solve the problem. So the student can see their thinking up there and then to make connections. So it's not a show and tell, everybody gets up and presents. No, it's a very purposeful thing with the idea that it's not always the best, not always the most effective, but to look at the different ways that it can be solved. And then for the teacher to use those solutions to make some of those important connections. So as I say, I find this book, and there are articles as well, if you don't want to dive into a book, it actually makes for a really good kind of book study within a school to be able to help teachers think about what does it mean to facilitate problem solving and rich tasks. So I believe when we go to the next slide, I'm going to be handing it over to Lise. And also I'm going to stick around for a little while, but I'm going to have to leave this session early because I'm teaching a class today, but I just wanted to be sure to be here for the beginning to talk to you about that idea of rich tasks. So I hand it over to you, Lise. Thank you very much. Merci beaucoup, Christine. C'est toujours plaisant de vous entendre. Et je vous souhaite un beau cours. Donc, pour compléter ou pour poursuivre avec les tâches et les expériences en résolution de problèmes, nous avons choisi une autre pratique à fort impact qui sont les outils et les représentations parce qu'ils favorisent une compréhension conceptuelle des mathématiques. Puis on sait que la compréhension conceptuelle est plus facilement développée lorsque les élèves font des liens avec ce qu'ils savent déjà. Donc, le concept devient concret avec les outils et les représentations. Ils fournissent aussi aux élèves un moyen de réfléchir à des problèmes et de communiquer ensuite leurs pensées. Donc, en réfléchissant, ça devient plus clair et plus précis. Et en présentant visuellement des idées mathématiques abstraites, donc ça devient plus concret pour les élèves. Alors, pourquoi est-ce que c'est important les outils et les représentations? C'est parce que souvent les mathématiques sont l'étude de concepts abstraits. Mais c'est certain que l'enseignant joue un rôle en permettant aux élèves de développer une compréhension qui est plus que des simples faits ou des procédures isolées. Alors, on va explorer un peu plus en profondeur cette idée-là. Donc, si nous retournons au problème de l'autobus que nous avons vu tantôt, les élèves ont l'occasion d'utiliser, oui, une variété d'outils comme le matériel de manipulation pour construire des modèles concrets, donc pour représenter visuellement des idées qui sont plus abstraites. Donc, ça permet aux élèves de donner un sens aux idées mathématiques pour avoir une meilleure compréhension.
naturellement une salle de classe qui appuie cet enseignement et cet apprentissage par la résolution de problèmes va offrir une variété d'outils qui seront facilement disponibles aux élèves. Donc, à ce moment-là, les élèves pourront choisir leur matériel de manipulation. Donc, ils prendront des décisions quant au meilleur outil ou au meilleur matériel pour eux pour se servir, pour résoudre ce problème. Et puis aussi, ils vont se rendre compte qu'il y en a certains qui ne fonctionnent pas pour certaines résolutions de problèmes. Donc, enfin, on sait que ce matériel, ces outils-là sont importants pour tous les élèves. Ce n'est pas juste pour nos élèves qui ont des besoins particuliers et ce, aussi à tous les niveaux. Donc, c'est d'apprendre un nouveau concept, c'est de commencer par une perspective concrète, visuelle. Donc, nos élèves devraient former une communauté apprenante axée sur les conversations mathématiques. Parce qu'elles sont essentielles pour permettre aux élèves de communiquer leurs pensées, parce que les idées mathématiques ne sont pas dans les outils ou dans les représentations ou dans le matériel de manipulation, mais elles sont dans les réflexions des élèves, dans leurs pensées, dans leurs réflexions, leurs explications du concept mathématique. Donc, elles aident les élèves à clarifier leurs idées. Et puis, c'est quand les élèves partagent leurs pensées et puis qu'ils entendent différentes perspectives aussi aux différentes explications qu'ils acquièrent une meilleure compréhension. Donc, les maths deviennent plus que des règles, plus qu'un ensemble de règles et de procédures. Donc, ça aide aussi les élèves à se bâtir un répertoire de stratégies puis de prendre conscience des autres façons de voir les mathématiques en écoutant leur père. Donc, enfin, je veux vous laisser avec une monographie, c'est une suggestion d'une monographie qui pourrait être explorée avec l'équipe école, donc avec les enseignants qui pourraient être animés. Cette monographie qui s'intitule « Créer un climat propice à la réflexion » mathématiques présente plusieurs exemples de questions qui vont encourager les élèves à chercher une autre méthode, une autre stratégie. Les questions vont servir aussi à lancer de nouveaux défis à certains élèves et d'encourager les échanges à l'intérieur d'un sous-groupe d'élèves. La monographie nous donne aussi des pistes pour créer un environnement positif et sécurisant, donc un environnement où je n'ai pas peur de prendre des risques. Elle nous présente un beau petit problème à résoudre de façon collaborative, donc en équipe et avec du matériel de manipulation. Donc, c'est intéressant de l'essayer, comme Christine disait tantôt, avec un groupe d'enseignants. Et elle nous partage aussi des ressources, des idées de ressources à avoir dans notre salle de classe pour encourager justement les échanges et les explications. Et enfin, elle nous donne les avantages du partage de différentes stratégies. Comme on le disait dans le webinaire 2, quand on connaît les raisons pour lesquelles on nous demande d'aller chercher les différentes stratégies, les différentes explications des élèves, bien, c'est plus facile à mettre en œuvre à ce moment-là dans nos salles de classe parce qu'on connaît les raisons, il est plus facile d'y croire et de l'essayer pour voir les résultats avec nos élèves. Donc, c'est ici que nous allons passer à des sous-groupes. Moi, je ne connais pas le nombre de participants que nous avons aujourd'hui, mais Pierre va m'informer de ça. Et nous allons passer aux sous-groupes. Je vais vous donner une idée de ce que nous allons explorer ou ce que nous aimerions que nous partagions ensemble en sous-groupes. Donc, notre première question, avez-vous des exemples de ces pratiques pédagogiques à fort impact dans votre école? Puis maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble maintenant avec le nouveau programme cadre et la nouvelle réalité de nos salles de classe en temps de pandémie? Et comment est-ce que nous pouvons développer et appuyer ces pratiques-là avec notre équipe école, avec les enseignants et enseignantes?
Fait que Lise, on n'aura pas besoin d'aller en sous-groupe parce qu'on est, avec moi et toi, on est 12. Donc, ça fait 10 participants avec moi et toi. Alors, on peut tous rester ensemble. Mais là, les gens, s'ils veulent parler, n'oubliez pas de vous, parce que vous avez accès là, à votre caméra et votre micro. Alors, vous pouvez, je suis en train de parler, puis vous ne me voyez pas. C'est ça. Alors, vous pouvez allumer vos caméras, puis vous pouvez parler, puis peut-être pour parler, vous pourriez juste comme peut-être lever la main. Est-ce qu'on a cette... Vous faites juste écrire dans votre clavardage que vous aimeriez dire quelque chose. Oh, salut Chanda. Chanda doit quitter. Il y en a quelques-unes là, qui doivent partir, mais pour ceux qui restent, là, on y va, Lise. OK. Alors, est-ce que vous auriez des exemples de certaines pratiques pédagogiques qui sont offertes dans le document, qui sont mises en œuvre dans vos écoles? À quoi est-ce que ça ressemble maintenant avec la nouvelle réalité de nos salles de classe en temps de pandémie? Puis comment est-ce qu'on pourrait appuyer notre personnel? Peut-être que vous avez déjà, depuis le début de l'année scolaire, fait certaines rencontres ou donné un peu d'appui à votre personnel enseignant avec le nouveau programme cadre de mathématiques. Alors, j'aimerais qu'on fasse un partage d'idées, un partage de pratiques qui ont été réussies, peut-être de pratiques aussi qui ont moins bien réussi, donc qui pourraient fonctionner dans une autre école, mais qui ont été moins bien réussies dans notre école. Moi, je pourrais aller à, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je pourrais aller vous présenter quelques questions qui sont offertes dans la monographie dont je vous ai parlé. Donc, j'arrêterai le partage si ça vous va et je vais aller chercher un autre document pour faire le partage d'un autre document sur lequel j'ai placé des idées de questions. Alors, Pierre, tu me permets? Oui. Ah, faut que je fasse ça encore? Non, c'est parfait. Non, c'est bon. OK. Et ça illustre ce que Christine nous a parlé tantôt. Donc, je partage mon écran. Je vais laisser ceci. Donc, dans la monographie, En passant, la monographie, elle est écrite par Christine. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Mais elle est une des auteurs. Oui, absolument. Donc, dans cette monographie-là, on vous explique exactement ce qui est dans le livre The Five Practices, le fait d'anticiper, d'effectuer un monitorage. Puis là, on a vu que c'était vraiment le monitorage des travaux des élèves pour aller voir les différentes stratégies qu'ils ont utilisées pour résoudre le problème. Ensuite, de sélectionner certaines stratégies ou même de les regrouper. Là, elle disait qu'on pourrait avoir une grille d'observation et nous, en tant qu'enseignants, on s'inscrit des petites notes là, à savoir quelles sont les équipes de nos élèves dans notre salle de classe qui ont utilisé des stratégies semblables. Et ensuite, pour pouvoir faire une présentation aux amis de la salle de classe. Donc, les questions que l'enseignant pourrait se demander, quel échantillon devrait être présenté en premier et pourquoi? Donc, parmi les travaux des différents groupes que nous avons dans notre salle de classe. Quelles questions pourraient être demandées à chaque présentateur, donc à chacun de nos groupes? Quel pourrait être l'objectif d'apprentissage de la leçon? Et ça me fait un petit peu rire quand je vois la question parce que je dis toujours à mes étudiants de la faculté, tu dois connaître ton objectif d'apprentissage, ton résultat d'apprentissage avant d'élaborer ta leçon, tu vas les chercher. Ensuite, quelles stratégies ont été utilisées? Lesquelles est-ce qu'on avait anticipées en tant qu'enseignant?
qui a utilisé une stratégie semblable. Donc, quand on a différents sous-groupes, peut-être que les questions, les explications des élèves seraient un petit peu différentes. Et ensuite, je poursuis avec des types de questions qui sont à demander aux élèves. Et je trouvais que les questions étaient bonnes pour un enseignant. Lorsque l'enseignant prépare sa leçon, on dit aussi aux étudiants de la faculté, préparez-vous de bonnes questions, bonnes questions ouvertes à demander à vos élèves. Donc, pour chercher une autre méthode, vous avez utilisé telle stratégie. Est-ce qu'il y a une autre stratégie qui pourrait être utilisée pour résoudre le problème? Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire pour lancer de nouveaux défis? Alors maintenant, qu'est-ce que nous devrions faire? Quelles solutions est-ce qui vous ont surprise? Peux-tu m'expliquer ou bien donc comment sais-tu pour encourager l'interaction dans le groupe? Donc, d'accord, veux-tu expliquer à Émilie ce que tu as fait ou ce que tu fais? Pourquoi crois-tu que la solution est une telle? Et enfin, bon, pour encourager la logique, c'est encore dans la monographie. Pourquoi est-ce que c'est logique d'après toi, là, selon toi? Pourquoi crois-tu que la solution est? Qu'est-ce qui est différent entre ces deux stratégies? Donc, ce sont des questions à demander aux élèves. Maintenant, dans le fond, notre question à nous comme direction d'école, c'est comment est-ce qu'on peut amener les enseignants à bien connaître ces questions-là, à les connaître en profondeur, dans le sens que ça devient automatique de poser ces questions-là aux élèves. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour appuyer les enseignants et les enseignantes? À devenir meilleur au niveau de... Je peux peut-être partager, c'est Simon Harpin. Juste le fait que c'est dans une routine constante, aide l'enseignant à s'améliorer toujours, parce que si c'est spontané ou si c'est pas tous les jours, ou c'est moins fluide, c'est juste plus difficile à instaurer. Absolument. Faut que ça devienne automatique, faut qu'on se soit pratiqué, faut qu'on ait composé nos questions. Alors, ce serait peut-être une belle activité. Comme Christine le disait, si on a une rencontre des enseignants du cycle primaire ou du cycle moyen ou juste d'un seul niveau, si elle pourrait travailler à l'élaboration de questions ouvertes qui vont encourager la réflexion chez les élèves ou leur pensée, leur façon de résoudre des problèmes. Merci beaucoup, Simon, d'avoir partagé. Moi, je suis curieux de savoir parce que j'ai remplacé 5 mois au début de l'année. Puis, on n'a pas eu beaucoup c'était dans une école secondaire, là, Lise, mais je dois vous dire qu'on n'a pas fait de CAP. Là. Les enseignants n'ont pas pu faire des CAP. On n'a pas investi beaucoup là, au niveau de... On était vraiment en mode survie. Puis, j'imagine que les gens qui sont là, peut-être qu'ils ont de la difficulté à partager parce qu'ils n'ont pas grand-chose à partager. Ils n'ont pas vraiment eu la chance de faciliter là, des discussions puis de la planification puis autour du nouveau programme cadre. Alors, peut-être, ça serait peut-être plus dans un contexte si vous ne l'avez pas fait, mais comment est-ce que vous pourriez le faire? Puis, on fait comme un remue-ménage pour peut-être donner des idées à nos collègues qui sont partout en province. Là, à quoi ça pourrait ressembler avec le nouveau programme cadre ou comment est-ce qu'on pourrait développer et appuyer des pratiques à fort impact dans nos classes? Donnez-nous des idées, même si vous ne l'avez pas fait. Moi, j'aimerais partager, Pierre,
Lors de mes dernières années, lorsque j'étais à la direction d'une école, on avait une conseillère pédagogique au niveau des mathématiques et on faisait, oui, des communautés d'apprentissage professionnel, mais je suis bien consciente que cette année, ce n'est pas une année propice aux rencontres, aux communautés d'apprentissage professionnel. Mais cette conseillère pédagogique-là venait présenter justement des résolutions de problèmes ouvertes aux enseignants et enseignantes par cycle. Et lorsqu'on avait des problèmes justement qui étaient fermés, comment est-ce que nous pouvons les ouvrir? Donc, on travaillait ensemble à ouvrir des situations, des mathématiques, des problèmes mathématiques pour faciliter la tâche aux enseignants et enseignantes pour se bâtir une banque de problèmes qu'on pouvait utiliser en salle de classe. Et ensuite, elle allait même en salle de classe, elle animait une résolution de problèmes et posait des questions justement aux élèves. Si je mets tant d'emphase comme ça sur le questionnement, c'est qu'on a vu aussi dans le webinaire 2, on a vu la pratique pédagogique à fort impact qui était l'enseignement explicite et comment est-ce que le questionnement de questionner à partir du travail des élèves et à partir des réponses des élèves, comment est-ce qu'il est important pour venir à bout d'intégrer les domaines mathématiques pour leur faire voir les liens qu'il y a entre les différents domaines. Puis aujourd'hui, on voit le questionnement pour que l'élève puisse expliquer la façon dont il résout le problème, qu'il explique sa pensée pour que ça puisse profiter aux autres élèves aussi en salle de classe. Donc, si on travaille notre questionnement, déjà, on fait un beau grand pas avec les pratiques pédagogiques à fort impact. Super. Yves, tu veux parler? Merci Yves. On peut toujours compter sur toi pour ta participation. Oui, puis en plus, je dois quitter bientôt, mais je voulais être tiré parce que je me suis dit, je vais m'en aller pour 45. Là, on va être correct dans mon temps. Mais juste parce que je sais que la salle de classe, puis effectivement, Pierre, là, tout ce que tu apportes, l'année est très différente, etc. Mais peut-être des petites pistes de solutions. Puis Lise, je ne veux certainement pas t'enlever, peut-être t'aller en parler aussi, mais je pense que comme direction d'école ou comme leader, quand on appuie, cette ressource est riche, mais très souvent, les gens se disent « Oh, on les connaît, les pratiques, on les a entendues. » Mais quand on arrive dans les fiches qui sont là, puis ce n'est-ce qu'il y a vraiment comme une étape de gradation, si je peux dire, où on met la pratique en place, puis on se dit à quoi elle ressemble à son maximum quand on est vraiment, vraiment dans son max. C'est un peu comme la différenciation pédagogique. On est encore très souvent qu'on pense qu'on l'a, mais on est des fois encore dans une étape très, très, comme Cooper nous dirait au début, puis on n'est pas à la fin. Donc ça, c'est une des richesses de la pratique. Puis je sais qu'avec le site web Curriculum et ressources, il y a beaucoup de changements. Des fois, on n'est pas toujours averti encore qu'il y a des nouveautés qui se passent. Mais des fois, les gens se sont dit « Oh, je lis tellement, je suis devant mon écran, je vois. » Mais il y a aussi des vidéos qui accompagnent. Ce n'est pas nécessairement pour chaque pratique, mais au moins, il y a des éléments qui se passent puis ça peut s'intégrer peut-être au niveau intermédiaire. Ça a été filmé dans des écoles secondaires. Le doublage est très, très bon. Je le sais qu'on n'a pas pu aller filmer quand c'était le temps parce que la pandémie a commencé, mais je me suis assuré qu'on avait des ressources avec lesquelles au moins les voix, les mots sont là. Donc, on peut au moins... Puis des fois, ça peut, comme direction, appuyer une enseignante en disant, écoute, il y a tellement de lectures, mais peut-être qu'une vidéo, il y en a 6-7 où on les a. Puis excuse-moi, Lise, si je te devance dans des idées, mais c'est sur le site web. Donc, c'est peut-être un niveau de à quoi ça ressemble. Bien, c'est peut-être si, quand vous aurez la chance de revenir en CAP ou de vous l'avez fait, c'est peut-être d'aller chercher ces fiches-là et de pousser les réflexions plus loin en disant à quoi ça ressemble, c'est ça, mais allons-y y voir dans le dernier degré de la plus haute fonction de cette capacité-là. Parce qu'on a beau dire je la fais bien, mais des fois, est-ce qu'on la fait bien comme on pense? Puis ça, c'est toute personne, même moi, là, à un moment donné, je me demande encore si je fais encore bien mon travail, même si je ne suis que par intérim en ce moment. Voilà mon petit Saint-Saëns, mais honnêtement, plaisir de, puis content de vous faire ça, puis heureux de vous rencontrer les directions à l'écoute aujourd'hui. Merci Yves, tu es vraiment généreux avec tes... Puis on apprécie, c'est le fun de t'avoir là parce que tu as œuvré justement là, au ministère là, dans ce domaine-là, fait que c'est vraiment une richesse pour nous autres.
Puis j'abonde dans le sens de Yves, parce que je vais vous avouer qu'au niveau de l'enseignement explicite, je peux vous dire que j'avais étudié la pratique, je l'avais mise en œuvre dans des salles de classe, j'avais fait du co-enseignement avec des enseignants. Et sérieusement, Yves, quand j'ai eu le document qui accompagne le nouveau programme cadre de mathématiques, quand j'ai vu enseignement explicite, ah ben là, j'étais curieuse, je suis allée lire. Puis sérieusement, je me dis, je pouvais enrichir ma pratique avec le questionnement encore. Donc, comme tu dis, oui, on les met en pratique, mais je pense qu'on peut, moi, en tout cas, j'aurais pu m'améliorer encore au niveau de l'enseignement explicite, puis au niveau de d'autres pratiques aussi. Ouais. Donc, parce que tantôt, on démontrait un petit peu, même dans les exemples, Lise, que tu as donné, tu sais, en salle de classe, préparer notre questionnement, comment je peux arriver prêt. Mais comme direction d'école, comme leader, des fois, c'est comme, ben c'est pas nous, mais comment on peut guider. Donc, même ici, il y a peut-être des questions qu'on peut aller chercher justement par l'élevage, l'étayage qu'on peut faire avec un enseignant pour le questionnement. Puis là, c'est vrai, il faut vraiment que je quitte parce que là, je dois sauter. Tu sais, puis c'est je suis pas comme si je m'en vais ben loin, mais il faut que je saute dans une autre virtuelle. Mais en même temps, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, puis un grand merci à la DFO pour tout le travail que vous faites. Okay? Merci, Yves. Merci. Salut. Au revoir. Alors, comme je peux juste ajouter que je suis contente du partage de Yves. Je pense qu'au niveau des différentes pratiques à fort impact qui sont présentées dans le document, comme Yves le dit, on n'est pas parfait. Et dans ce document-là, la première page, chaque pratique pédagogique a deux pages. La première, c'est la théorie. Donc, qu'est-ce que je peux aller chercher là, mon monitorage, donc qu'est-ce que je devrais voir, à quoi est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que je devrais entendre dans les salles de classe de mathématiques avec cette pratique pédagogique-là. Et le verso de cette page, c'est qu'est-ce que je devrais voir en salle de classe. Donc, pour l'enseignant, comment est-ce que je devrais la mettre en œuvre, mais moi, comme direction, qu'est-ce que je devrais voir? Donc, je trouve que c'est un document qui devrait profiter à toutes les équipes écoles et comme on fait, comment est-ce qu'on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Donc, peut-être d'aller chercher seulement qu'une pratique qu'on voudrait harmoniser dans notre école et pouvoir aller chercher les différents détails dans ce document qui s'appelle des pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Puis elle est disponible évidemment sur le site web, hein, Lise? J'imagine qu'elle doit être dans les EAV aussi, des conseils. Ça, je n'ai pas vérifié, par exemple, mais elle est disponible sur le site. Vous n'avez même pas besoin du EAV. Là. C'est sur le site du nouveau programme cadre au niveau des ressources. Même si au niveau, peut-être, tu sais, on a tellement de documents et de dossiers qui tombent dans notre assiette. Même si on faisait, parce que c'est un petit document qui se lit très bien, comme tu dis, une pratique à fort impact a deux pages. Même si on, dans une réunion du personnel, on en a, disons, cinq d'ici la fin de l'année, je suis dans une école élémentaire, puis je dis, OK, on va en explorer une à chaque réunion du personnel cinq fois. Tu sais, ça pourrait être aussi simple que ça de donner 15 minutes aux gens pour les lire, puis après ça, dire, ben, quand je vais aller dans vos classes, quand je vais faire mes petites tournées, j'aimerais ça que vous, tu sais, que vous m'invitiez si vous allez essayer d'en mettre une en pratique dans votre classe. Quelque chose, ça peut être aussi simple que ça pour commencer cette année. Ou même leur demander s'ils ont besoin d'appui ou comme il disait, il y a des vidéos. Quand on voit la pratique pédagogique mise en œuvre dans une salle de classe, parfois ça va nous donner aussi certains détails qu'on peut ajouter à notre propre pratique. Donc, on peut ajouter dans notre école au niveau de l'harmonisation. Mais tu as parlé tantôt des conseils pédagogiques. Dans le conseil où j'ai œuvré en début d'année, là, malheureusement, tous les conseillères pédagogiques avaient été attitrés à l'école virtuelle. Mais là, je pense que comme ils reprennent leur fonction de conseillère pédagogique, fait que ça serait peut-être le temps d'en inviter un ou une à venir passer du temps dans votre école ou avec vous seulement pour avoir une discussion puis de déterminer qu'est-ce que je pourrais faire d'ici le mois de juin pour mettre quelque chose en œuvre là, puis, ou pour aider à mon personnel à mettre en œuvre le nouveau curriculum. Ça pourrait être une stratégie, ça aussi.
Donc, c'est d'appuyer notre personnel selon les ressources qui sont offertes au niveau du conseil, mais qui sont offertes aussi sur le site du nouveau programme CADRE. Pierre, est-ce que c'est possible de faire une intervention? Absolument, Charles. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de la partie 2, la question 2. À quoi ça ressemble maintenant avec le nouveau programme CADRE, mais la nouvelle réalité de la pandémie? Puis ça s'adresse peut-être aussi même au bloc de littératie. Puis ça, c'est un des défis que je vois. C'est que je vois maintenant certains employés qui retournent au papier-crayon. Pourquoi? Quand tu veux assurer 1 mètre de distance entre les gens. Par exemple, si tu veux faire une résolution de problème ou ce qu'une équipe de 3 ou 4 élèves travaille sur un même problème. Partage une grosse feuille, puis chacun va écrire des idées, puis font un travail en équipe. Qu'ils partagent des manipulatifs pour travailler ensemble pour résoudre un problème. En littératie, quand on commence à parler d'une lecture guidée et tout ça, puis je vois que maintenant, à cause de la pandémie, mettre ces pratiques qui sont innovatrices, c'est un défi. Puis je ne sais pas si on pourrait parler, parce que ça s'adresse quand même à la question 2. Pierre, aurais-tu objection qu'on parle un petit peu de ceci? Pas du tout. Non, tu as raison. On est vraiment retourné dans l'Iran d'oignon, hein, comme dans l'ancien temps, on va dire. Il y en a qui c'est pas si ancien que ça, mais quand moi j'étais petit, il n'y avait jamais des pépites ensemble. Et puis là, on ne peut même plus partager du matériel. Alors oui, tu as raison, on est dans un autre texte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on peut être quand même innovateur avec ça? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des solutions, qui ont pensé à quelque chose? Charles, dans ton école, est-ce que vous avez fait quelque chose de différent? Est-ce que... Bien, par exemple, moi, comme direction d'école, j'aime aller dans une classe, juste demander une question résolution de problème. Donc, je vais juste entrer dans la classe et je pose la question comme telle au groupe. Et disons que si je dis aux jeunes, bon, la première partie, je viens juste te donner la question, pensez-y par vous-même. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Prenez une feuille, prenez des manipulatifs que vous avez vous-même, essayez de le résoudre. Mais là, j'hésite avec la deuxième partie qui serait « parle à ton copain » ou bien d'aller à « mettez-vous un groupe ensemble puis essayez de le figurer ». J'hésite de le faire parce que là, le 1 mètre ou 2 mètres, là, pensons-y même pas. Si c'est une classe de 10 élèves, peut-être ça se ferait. Une classe où il y en a 25, non, ça ne marche plus notre affaire, là. C'est ça mon défi. Et je sympathise avec le prof qui, des fois, veut être innovateur, mais veut faire attention à cause des exigences de la pandémie en même temps. C'est pas facile, c'est tout ce que je... Puis si ouais. Il y a des suggestions, tant mieux, parce que moi, je trouve que c'est un défi présentement, surtout lorsque tu as quelqu'un qui ne performe pas comme tu voudrais, et que c'est les élèves qui en souffrent. Puis, pour renchérir sur ce que tu as dit, j'avais des profs innovateurs à l'école où j'étais, puis il y a un prof qui a amené son groupe d'élèves à la cafétéria pour qu'il y ait justement une certaine distance entre les élèves, mais qu'ils puissent travailler en groupe. Puis, il y a eu une éclosion d'un élève dans ce groupe-là, puis parce que le prof n'avait pas identifié qui avait travaillé avec qui, là, je me suis ramassé où toute la classe a dû être isolée pendant 2 semaines. Fait que ça, comme tu dis, ça, les profs peuvent être craints avec raison parce qu'il y a des répercussions à ça. Tu sais, fait que c'est pas pour décourager les gens, mais en même temps, je veux comme que les gens comprennent que c'est vrai ce que Charles a dit. Là, il peut avoir des. Mais j'aime ton idée d'aller dans la classe puis de lancer un défi comme ça aux élèves. Puis peut-être tu pourrais dire aux élèves, bien, comme classe, envoyez-moi des idées, puis moi, j'ai le matériel ici, puis je vais essayer vos idées. Tu sais, alors là, tout le monde regarde à un endroit, ou peut-être ils ont comme des genres de rétroprojecteurs dans certaines classes où tu peux manipuler des choses, puis tout le monde le voit à l'écran. Là. Ça, je sais que c'est un outil qu'il y a dans les salles de classe avec les smart boards, etc. Tu sais, je lance ça comme idée, mais tu sais, y en a-tu d'autres, Lise?
J'ai vu aussi que chaque élève a un peu de matériel de manipulation dans un grand sac Ziploc, style Ziploc, ou dans un bac, donc avoir des jetons, des cubes en boîtable. Donc, chaque élève a son propre matériel de manipulation, donc on ne se prête pas le matériel. Mais ça ne règle pas la situation d'avoir le 1 mètre. Et comme tu dis, Pierre, l'exemple que tu as donné pour aller, qui sont allés travailler dans le cafétéria, au début de ton exemple, je me suis dit, quelle bonne idée. Il fallait que tu finisses. Non, mais je voulais quand même que les gens comprennent que ça peut arriver. Puis là, c'est plate, mais c'est moi qui ai passé pour, hey, tu n'as pas fait ta job, tu n'as pas dit au prof de ne pas faire ça. Puis j'étais comme, ah, tu sais, fait qu'on essaye d'être novateur, mais en même temps, on se fait taper ses doigts. Puis c'est pas parce que les profs ou nous autres ou les élèves ont mal fait, là, c'était juste, ça s'était donné comme ça, tu sais. Fait que je veux quand même que les gens comprennent que c'est une situation exceptionnelle, mais. T'sais, pensons à l'année prochaine d'abord. C'est sûr que là, en pandémie, c'est dur là, de trouver des exemples, mais le nouveau curriculum, il est là cette année, mais il va être là l'année prochaine aussi, puis on ne sera peut-être pas dans la même situation où il faut garder un mètre de distance, etc., avec tout. Tu sais, je dis ça, puis peut-être que oui, peut-être que non, mais à un moment donné, il n'y aurait plus de pandémie, là, tu sais. Fait que faut penser aussi long terme, puis il faut prendre peut-être des plus petits pas d'ici à ce temps-là, mais parce qu'à un moment donné, il va falloir que ces pratiques-là soient mises en œuvre. Là. On ne peut pas juste wing it puis faire, ah, ben, je pense que ça va fonctionner. Puis comme Charles a dit, le papier-crayon, il y a des meilleures, il y a des techniques à fort impact qui sont beaucoup plus consécutives que ça. Fait que, je vois que le temps avance. Lise, ça fait déjà 55 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient partager quelque chose d'autre. Sinon, on va terminer. Excuse-moi. Je m'ai levé la main comme ça. Je veux juste dire aussi qu'au niveau virtuel, à un moment donné, on parlait d'un problème mathématique dont habituellement les élèves avaient besoin d'environ 12 jetons dans la salle de classe avant la pandémie. Mais là, au niveau virtuel, je leur avais dit qu'ils avaient besoin de 12 petits objets qu'ils retrouvaient dans la maison. Mais là, j'avais donné l'exemple, 12 cuillères, 12 des choses comme ça. Donc, c'était l'idée que je lançais. Donc, 12 cartes. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Je ne sais pas c'est qui, par exemple. Oui, c'était moi. C'est Annick. Allô, Annick. Bonjour. Alors, j'ai participé à la rencontre, mais en même temps, je suis au secondaire. Puis, on parle du nouveau curriculum et toutes ces choses-là. Est-ce que, je comprends que c'est au ministère que je devrais parler, mais est-ce qu'on a une idée quand le curriculum du secondaire va sortir? Pour le 9e décloisonné, là. Ah, oui, pour le décloisonnement pour l'année prochaine. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Lise, as-tu quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui... Cette valeur qui est partie, lui, il aurait peut-être eu une idée. Je n'ai pas cette réponse-là. Par contre, je dois dire que c'est une question qu'on a abordée lors d'une dernière rencontre au niveau du comité. Et on disait qu'au niveau du décloisonnement, il y avait des formations qui étaient pour suivre. Mais là, tu veux avoir un temps pour un nouveau programme cadre au niveau du décloisonnement. Puis je comprends qu'on est, je ne vais pas dire la dernière minute, mais je comprends que les travaux ne sont pas tout complets. Mais en même temps, c'est plutôt dans l'ajout. Tu sais, si on ajoute de la littératie financière, je ne pense pas que ça va inquiéter personne. Mais si on ajoute du codage, ça, c'est une autre histoire. Souvent, nos enseignants, bien, du coup, dans mon cas, c'est des gens plus âgés, donc qui n'ont pas nécessairement le background. Donc, il me reste 4 mois pour tenter de leur offrir un peu de formation pour qu'ils soient au moins stressés en septembre. Je ne sais pas si ça aiderait, Annick, mais si tu vas, peut-être que tu le connais aussi, là, mais sur le site du nouveau programme cadre de mathématiques, la planification à long terme qui vient des conseils scolaires, elle est identifiée par le CECCE. Il y a un document, mais c'est jusqu'à 8e année, je sais, mais qui est exclusivement sur le codage, que j'ai adoré. Puis tu vois, j'ai des cheveux gris, là, c'est pour ça que je suis allée lire le document en prendre connaissance. Merci beaucoup, parce que je suis allée prendre connaissance des programmes cadres de 1 à 8, mais je ne savais pas que ça, c'était là, fait que je vais y retourner. Je te remercie. Oui, puis il y en a d'autres au secondaire. Puis Annick, je sais qu'on a fait une proposition au ministère, la DFO, au CPCO puis au PC, pour que justement l'année prochaine, si on continue avec le projet de mathématiques, qu'on puisse aborder toutes ces
cette question-là là, du décloisonnement puis pour pouvoir appuyer nos directions. Là. Fait qu'on garde nos doigts croisés, on n'a pas eu de réponse encore. Je vous remercie beaucoup. Fait que Lise, je ne sais pas si tu voulais rajouter, faire un petit mot de la fin. Moi, ça me va. Je veux vous remercier beaucoup pour votre participation. On est très, très chanceux d'avoir, on est choyés d'avoir Christine, Dr. Sertam, pour nous faire des présentations. Donc, on en profite au maximum. Bien, à mon tour d'abord de vous remercier puis de vous inviter à la prochaine, au prochain réseau d'apprentissage professionnel qui va avoir lieu pour nous autres le 25 mars à 15h. Alors, je vais préparer c'est moi qui vais préparer le Zoom, le gabarit dans Zoom là, pour lancer l'invitation. On vous enverra cette invitation-là à travers la DFO comme on a fait pour celui-ci. Alors, merci d'avoir été là tout le monde et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Bonne journée.